attention. Ouais, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, mais j'ai vu un nom sur la pancarte, là, Ohanian. Ce serait pas Kirk Ohanian, par hasard? Peut-être bien, pourquoi? Bah, je jouais au ballon à Berkeley avec un sacré buteur qui s'appelait Ohanian. J'ai cru que c'était peut-être... Ça, alors, vous êtes Eric Keller? Vous êtes la femme de Kirk? Ah, non, j'ai épousé le capitaine. Oh, excusez-moi. C'est Mac, votre mari? Exactement, Heather MacDougall, enchantée. Enchantée, ça, c'est un coup de veine. J'ai loué un bungalow dans le coin. Je suis sorti faire un tour et sur qui je tombe, une réunion des anciens du collège. Ah, oh, quel dommage que Kirk soit parti. Il reviendra bientôt, il est sur son bateau. Ouais. Et Mac est rarement là, alors je remplace Kirk au magasin. Ouais. Mac parle de moi quelquefois? Oh, oui, plutôt souvent même. Chez les MacDougall, Monsieur Keller, vous êtes légendaire. Les voilà! Ils arrivent, je les ai vus! C'est moi qui amarre, hein, c'est mon tour! Mais c'est ton tour. Ils sont à l'eau? Quelquefois, je me le demande. Venez, allons les rejoindre ou ces deux-là vont devenir fous. Venez vite! C'est le tour de Steve. D'accord, mais il y en a une pour toi aussi. Et tenez bon. Non, non, je t'y attrape là d'abord. Voilà, attache-la. Doug, tu serres bien ton nœud, hein? Kirk, devine qui est là. Salut, ma belle. Attends, Steve. Tu es bien sûr d'avoir serré assez fort cette fois-ci. Kirk. Harry. Tu veux que je remette le casque? Oh, ce vieux Harry Keller! Mais ça fait combien d'années? C'est fini, j'ai cessé de les compter, tu sais. Ah, tu es superbe. Et ta jambe, dis donc, ton genou est guéri? Oh, il y va assez bien pour que je puisse prendre l'avion, en tout cas. Ah bon, tu voyages beaucoup? Oh, ça oui, et dans le monde entier, je fais de l'informatique, alors je bouge sans arrêt. Ah, je dois dire que tu tombes à pic aujourd'hui, Harry. Ce soir, on s'apprête à fêter l'anniversaire de mariage de Mac à Heather. Et Aunt Clara va nous faire un festin arménien. Et là, ah, viens par ici, je vais te présenter un vieux copain de fac, Harry Keller. Enchanté. Aunt Clara, mon premier second, le roi de la galère. T'as un super bateau, ça. Il a fière allure, il doit être rapide. Ah ça oui, il est rapide, surtout par grand vent. Et dis-moi, tu fais de la voile? Oh non, non, je m'amuse un peu avec un catamaran, pour rigoler. Un bateau, c'est comme une femme. Il faut avoir les moyens de l'entretenir. Il n'arrête pas de me répéter ça. Il m'en veut d'avoir refusé un groupe la semaine dernière, mais c'était une bande d'abrutis. Dis-moi, pour ce soir, tu viendras, n'est-ce pas? J'aimerais bien. Oh, acceptez, Harry, soyez sympa, allez. Je regrette, j'ai un gros client qui arrive tout droit de Panama. Avec tout un stock de bons de commande. Je peux essayer de passer en fin de soirée, si vous voulez. D'accord, on gardera un peu de champagne. Et du shish kebab. Oh, c'est délicieux, vous verrez. Écoutez, il faut que je vous quitte, il n'y a personne à la boutique. D'accord. À tout à l'heure, Kirk. C'est ça. Hé, hey, Harry, pas de blague, tu viens, hein? Les ordinateurs, ça peut attendre. Combien d'années de mariage fêtez-vous? 15. 15? C'était un sacré bal. Il semblait que Kirk aussi s'était marié. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été tuée. Ça fait environ 4 ans. Elle allait à un cours, un soir, Kirk était dans la police à l'époque aux homicides. Elle a pris sa voiture et quelqu'un y avait mis une bombe. Mon Dieu, ça a été atroce. Il a démissionné. Il ne pensait à rien d'autre qu'à retrouver l'assassin de Janet. Et il a acheté le bateau. C'est ça qui l'a sauvé. Allez, allez, on va danser, venez. Oui, c'est ça, on va danser. Venez, les enfants, vous aussi, venez danser. Je me demande où est Mac. Ne t'en fais pas pour lui, il est parti te chercher des cadeaux, je parie. Oh, ça m'étonnerait. Mon chiche kebab. Regardez, ça va. Alors, on mange. Allô? Kirk, c'est Mac. Ne dis pas que c'est moi, je ne veux pas que Heather sache. Qu'est-ce qui se passe, vieux? Il faut que je te parle, c'est important. Mais où es-tu? Près du port, juste devant chez Beckett. Viens tout de suite. D'accord. Steve, tu en veux? Ouais. Je reviens dans quelques minutes, Harry. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien, des histoires de bateau. Bah alors, et mon chiche kebab?
Il est prêt. Garde-le-moi au chaud. Mac. Hé, hey, Mac. Mac. Gert, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? On me suit. Je ne veux pas que Heather et les gosses soient mêlés à ça. Ça va, je laisse mêler. Mêlé à quoi? Écoute, je vais te faire un résumé. Je fais de l'import-export, n'est-ce pas? Je travaille 8 heures par jour, j'ai des notes de frais, des vacances deux fois par an. Heather fait les valises et on part pour Snowvalley. Mais ce n'est qu'une couverture. Tu le savais? Oh, je l'ai deviné. Et aussi que tu ne pouvais rien me dire. Ouais. Je travaille pour la CIA. Je dirige l'unité qui s'occupe de la côte ouest. J'ai fait travailler un agent spécial dans mon unité, et depuis 3 ans, il est envoyé en mission spéciale partout où ça bouge dans le monde. Lieu de l'action, Porto Alegre, Brésil. Mon bonhomme est là le soir où un kidam assassine le chef de la police. Autre lieu, Bogota, Colombie. Un gros calibre met fin au jour d'un leader de l'opposition la veille des élections nationales. Mon agent se trouve à Bogota à ce moment-là. Autre lieu, Mexico à présent. Le jour de la conférence de l'Association des États américains, quelqu'un règle son compte au représentant de l'Équateur à l'aide d'un silencieux. Mon agent se trouve justement à Mexico à ce moment précis. Mmh. Bon, coïncidence, proximité, opportunité, je n'ai rien d'autre à part une trouille bleue. Pourquoi? D'abord parce que chaque meurtre est précédé par un paiement sur une banque aux Bahamas, 50 000. Il y a 3 semaines, un nouveau dépôt a été fait. Pourquoi? Il y a une croix sur son agenda. Ensuite, suppose que je fasse pendre un innocent. Mais ne dis pas de bêtises, personne n'a encore été pendu, que je sache. Alors tu crois qu'un type se sert de la CIA comme camouflage? Un tueur déguisé? Je ne voulais pas croire que c'était lui, Kirk. Je l'ai recruté moi-même. Je priais pour que ça ne soit pas lui. Chaque fois que je refaisais mes calculs, je sortais le même numéro, le numéro 27, son numéro de code. Le 27, ça ne te rappelle rien? Tac. Accorde le repos aux âmes des repentis. Dieu Tout-Puissant bénit cette sépulture. Confie-la aux bons soins de tes saints archanges et libère de toutes les chaînes du péché l'âme de celui dont le corps est enseveli en ce lieu, afin qu'avec tous tes saints, ils puissent communier en toi pour l'éternité. Grâce à Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dieu Tout-Puissant, écoute nos prières. Nous implorons ta miséricorde et te prions humblement d'accorder à ton serviteur, Donald MacDougall, à qui tu as ordonné de quitter ce monde, une place au pays de la paix et de la lumière. On va les avoir, les gars. On va leur envoyer le 27 à l'attaque. Le 27 à l'attaque. Le 27 à l'attaque. Cette âme et pour toutes les âmes de tous tes fidèles, que la miséricorde divine accorde le repos.
Tous ces souvenirs qui remontent, hein, Harry? Ils reviennent toujours dans ces circonstances, que ça. Je pensais à la façon dont Mac hurlait à la tâte quand tu devais remonter au centre. Tu te souviens? Tu faisais semblant de sortir et tu fonçais au dernier moment. Ouais, c'était le bon temps. Oui. Mac te donnait le signal au moment voulu, le spectacle valait toujours le déplacement. Ouais. Je me souviens de tout ça. Et comment il disait, hein, Harry? Le 27. Le 27 à l'attaque. C'est ça. Mac refaisait tous ses calculs et le même numéro sortait à chaque fois. Quoi? Il priait pour que ce ne soit pas toi. Mais le même numéro sortait chaque fois. Le 27 à l'attaque. C'était toi, Harry. Mais de quoi tu parles, Harry? De l'informatique, hein? C'est vraiment ça que tu vends à tes clients, dis. C'est pas autre chose, comme des meurtres à la commande, par exemple. Qu'est-ce que tu racontes, vieux? Tu es venu ici tout à fait par hasard, et tu crois que je vais avaler ça, Harry? Tu suivais Mac, et il t'a semé. Tu as pensé que tôt ou tard, il appellerait mon bateau, et que je te conduirais jusqu'à lui. Tu débloques complètement, mon pauvre vieux. Je te coincerai, t'en fais pas, Harry. C'est même pas de quoi tu parles, mais souviens-toi de ça, ça peut te servir. Quand tu viens au monde, t'as droit qu'à un aller simple, c'est tout. Et n'importe quand, ton vol peut être annulé. N'importe quand. Ça y est, Kirk, j'ai fait le nécessaire. J'ai envoyé tous les renseignements que MacDougall t'a donné à Washington. C'est à eux de se débrouiller maintenant. Mais enfin, Frank, ce meurtre est de ton ressort, non? Tu trouves qu'on nous a pas assez rabâché à l'école, qu'un témoignage sans preuve n'a aucune valeur devant un tribunal? On peut pas arrêter Keller parce qu'il jouait bien au football. On a plus que ça. C'est leur boulot à Washington, ils sauront quoi faire. S'ils peuvent le coincer, ils n'hésiteront pas. Et suppose qu'il disparaisse. Il ne fera pas ça. Pourquoi pas? Ce serait comme s'il avouait. Il doit savoir que tu es venu ici. Écoute, Frank, Mac dit qu'il y a un nouveau dépôt sur ce compte aux Bahamas. Ça veut dire que Keller tient une cible. Il n'a qu'à se faire faire une nouvelle carte d'identité et c'est reparti pour un tour. Il faut jouer avec les cartes qu'on tient. Mais bien sûr, et surtout que ça ne t'empêche pas de dormir. On met les morts dans leur cercueil et on change de chaîne. Kirk, on n'a rien contre lui. Ni l'arme du crime, ni les douilles de ses cartouches, encore moins ses empreintes. Tout ce qu'on a, c'est une balle de P-38. Et je te prie de croire que cet engin-là est très très loin à présent. Je te répète que nous n'avons aucune preuve. Aucune preuve? Eh bien, il y en a assez pour moi, Frank. Gouzès, tu veux une bière? Non. Je vais faire à manger. Je n'ai pas encore faim. Ça fait 3 jours maintenant que tu manges pas, que tu dors pas. Je fais rien que regarder ce type-là. Il finira bien par se montrer. Mais tu m'inquiètes. C'est comme pour Jeannette. Ah. Mange donc quelque chose, toi, si tu as faim. Tu sais, je voudrais te dire quelque chose. Laisse donc la police s'occuper de ça. C'est ridicule, tu te punis toi-même. Tu as vu quelque chose? C'est quelle heure? Il est en train de sortir un catamaran. Thank you.
voit plus. Peut-être qu'il est coincé sous la voile. Non. Non, il l'a fait exprès. Il prépare quelque chose. Allons-y. Allez, plus vite. Salut, Franck. C'est bizarre, Kirk. On m'a dit que tu étais dans le coin quand c'est arrivé. Oui. J'ai eu un coup de fil de Washington. Tout ce que Mac t'a raconté sur Keller était vrai. Y compris les 50 000 dollars payés sur son nouveau contrat. Pour ce que ça va lui donner, c'est sans doute lui qui a laissé la radio allumée. En effet, tout est encore tel que nous l'avons trouvé. Le percolateur est encore branché. Il a téléphoné à un traiteur sur la côte à 10h37 ce matin. Leur coursier a livré un sac juste avant midi. 23 dollars de marchandises pour boire inclus. Qu'est-ce que vous essayez de me dire, Riordan? La radio allumée, le café dans la tasse, il sort le catamaran pour faire un tour, et il reste au fond. Mais ça m'a l'air logique. Ce n'est pas ton avis? Non, c'est une mise en scène, Franck. Où est le corps? Un cadavre dont on serait sûr que c'est celui de Keller, avec ses empreintes digitales, une denture reconnaissable. Si tu n'as pas tout ça, en ce qui me concerne, ce type est encore en vie. Écoute, Kirk, je sais ce que tu ressens, mais je t'assure que Keller est mort. Considère le point de vue de Keller. Il sait que sa couverture est fichue, il sait que ce n'est plus qu'une question de temps et que Washington fera les mêmes recoupements que Mac. Qu'est-ce qu'il peut faire? Me tuer? Disparaître? Il a une bien meilleure idée. Le café, la radio, le sac de bouffe, tous les accessoires. Et moi, je suis la dernière touche. C'est moi qui vois le catamaran se retourner. C'est moi son témoin, je l'ai vu en train de couler. C'est beau, ça, non? Un de ces jours, le corps refera surface et tout sera réglé. Je te le garantis qu'il refera surface, mais dans un avion pour Philadelphie ou une bagnole sur la frontière mexicaine. Il est vivant, Franck. 150 000 dollars veulent dire qu'une cible importante se balade et que Keller va se mettre à sa poursuite. Ce bateau qui était amarré au large, vous le connaissez? C'est le Kota Baru. Il vient de Hong Kong. Une patrouille a signalé sa présence à environ 15 000 de Catalina. Pourquoi s'est-il arrêté? D'après ce que dit son commandant, le capitaine Chu, les circuits de refroidissement sont tombés en panne à 2 heures de Los Angeles. Alors, il a stoppé les machines par ici. Et quand les patrouilles l'ont repéré, les réparations avaient déjà commencé. Il est resté là longtemps? Environ 2 heures et demie. Il est reparti avant midi. Le catamaran s'est retourné à peu près par ici. Donc, le Kota Baru était à moins de 10 000. Coïncidence, proximité, opportunité. Pardon? Non, non, rien. Merci, lieutenant, je sais ce que je voulais savoir. Un appareil pour respirer, c'est tout ce qu'il lui fallait. Il n'avait qu'à rester sous l'eau assez longtemps pour rejoindre les plongeurs du Kota Baru. Kiko Daz is cool. Kiko Daz. Tu sais, tu exagères. Les policiers sont satisfaits à Washington, ils sont satisfaits, toi tu n'es vraiment pas... D'accord, mais il y a 2 gamins qui sont orphelins, il y a aussi Heather. Mais c'est ça, oui, tu as raison, ce que j'éprouve pour le salaud qui a fait ça, ce n'est pas raisonnable du tout. D'accord, mais tu n'es pas obligé de... Allô? Vous avez la communication avec le commissaire Moore à Honolulu, parlez. Allô, Pat? Kirk O'Hanian. Oh, Kirk! Alors, tu as envie de vacances? J'ai des chambres d'amis ici pour toi et Ara, ça vous dit? C'est gentil, Pat, mais pour l'instant, ce qu'il me faut, c'est un coup de main.
Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bateau qui se dirige vers chez toi. Il s'appelle le Kotabaru. Je crois qu'il y a un passager de marque à son bord. Quel genre? Un assassin nommé Harry Keller. Keller? Ça me dit quelque chose, ce nom-là. Je croyais que les requins l'avaient mangé. J'ai une autre version. Oui, je sais. Ici, tout le monde croit que j'ai perdu la boue. Bon, alors Pat, tu veux m'aider? Eh bien, une nuit, dans une rue déserte, tu m'as sauvé la vie, si mes souvenirs sont exacts. Et tu m'as condamné à d'éternels tourments ici, au paradis. Oui, Malao. Le Kotabaru, tu dis. Je fais le nécessaire pour qu'on ne le perde pas de vue. D'accord. Je prends l'avion dans une heure. Je tiens à être présent quand il accostera. Je parierai encore 100 contre 1 pour les requins. Je croyais que tu ne jouais plus. Dépêche-toi d'arriver, je fais dérouler le tapis rouge. Merci, Pat. Tu y vas, n'est-ce pas? Mac est mort. Tu ne le feras pas revenir. C'est vrai. Mais ça va plus loin que ça. Je sais. Je sais. Mais fais attention. J'ai déjà perdu un homme que j'aimais. Et n'oublie pas de dire au gamin que je reviendrai. Je te le promets. Je suis venu voir, monsieur Moore. Kirk! Salut, Pat. Je suis content de te voir. Et moi donc? Tu tombes à pic. J'ai peut-être perdu mon pari. Il y a du nouveau? Le garde-côte a reçu un appel du Kotabaru pour un secours d'urgence. Un marin a été blessé, brûlé par de l'huile. Harry Keller, je parie. La tête couverte de bandages. Nous le saurons bientôt. L'hélico est parti. Ah, je vois que le paradis t'a pas donné de brioche. Je bouge quand même un petit peu de temps en temps. Oh, t'as bonne mine. Mais c'est vrai, tu sais. Ah bon? Ça alors. Allez, Bob, on y va. À l'héliport. Suivez-moi, je vous prie. Je veux un rapport détaillé. Quel genre de blessure a-t-il? Des brûlures. Une conduite de fioul a sauté. Il a été atteint sur tout le corps. Pat, ce n'est pas quelle heure.
Qui l'a chargé dans l'hélicoptère? Il y avait l'officier Swanson, l'assistant du pharmacien et moi-même. L'assistant du pharmacien? Celui du côte Tabarou. Vous l'avez vu, commissaire? Il est monté avec nous. Pourquoi portait-il un casque de garde-côte? C'est normal, ça? Oui, c'est la consigne. Pharmacien du Côte Barou. Vous croyez qu'il était à l'hôpital avec vous? Hépatite à spirochète. Enregistré. Capitaine Chu? Monsieur l'inspecteur Archer, je suis l'inspecteur Treadway, Service national de la santé. J'ai le regret de vous informer que le jeune matelot qui a été évacué est décédé. À cause des brûlures, je présume. Exact. Alors pourquoi cette quarantaine, peut-on le savoir? C'est à cause de l'hépatite, une sorte de jaunisse. Ce pauvre gosse l'avait, jaunisse à spirochète. C'est extrêmement contagieux. La jaunisse? Oui, l'inspecteur Archer nous a été envoyé par l'Organisation mondiale de la santé. Avec votre permission, capitaine, nous aimerions faire un tour sur le bateau et parler aux passagers. Capitaine, l'assistant de votre pharmacien, celui qui est monté dans l'hélicoptère, semble avoir disparu. Mais vous n'êtes peut-être pas encore au courant de tout ça. Disparu? Comment est-ce possible? Ah, oui, c'est une bonne question. Un scooter sous-marin? Très utile pour les réparations sur l'eau. Vous savez, j'ai l'œil à tout. On ne peut pas avoir été gérante d'immeubles à Chicago pendant plus de 40 ans et ne pas avoir gardé quelques bonnes habitudes. Si vous n'avez pas l'œil à tout, tout le temps, vous pouvez être sûr que les locataires le feront payer très cher. C'est pareil sur un bateau. Donc, Madame Brill, vous avez remarqué les plateaux repas? En effet. On était tous assis à table, celle des passagers, bien sûr. Moi, je me suis souvenu que j'avais laissé mon joli pendentif en or à 14 carats que Earl m'a offert dans la cabine. Alors, j'y suis retournée et en chemin, j'ai vu un homme qui portait un plateau. Il l'a amené dans la cabine numéro 2. La cabine de cette Madame Roland, oui. Elle était pourtant déjà à table. C'est curieux, non? Alors vous avez commencé à surveiller la cabine 2. Eh bien, j'ai essayé chaque fois que j'en avais l'occasion, oui. La jaunisse. C'est ça. Et combien de fois avez-vous vu porter un plateau à la cabine 2? Deux fois encore. J'ai vu le capitaine y entrer une ou deux fois aussi.
quand la femme n'était pas là. La cabine 2 a bien deux pièces. En effet. Earl et moi l'avons regardée quand on est monté à bord, à Vancouver, avant qu'elle ne soit occupée par cette madame Roland. Il y a une chambre à coucher et un salon. Je parie qu'elle a payé ça la peau des fesses. Et c'est à peine si elle en profite. C'est vrai. Elle passe presque tout son temps à lire dans le grand salon. Ou dehors, sur le pont. Faut que je mange quelque chose. Je suis sûre qu'elle vient de là, votre jaunisse. De la cabine numéro 2. Ce type malade est resté là tout le temps pour que personne ne le voie. Madame Brill, je crois que vous avez dû être une sacrée gérante d'immeuble. J'étais pas mal. Anne Roland, nous enquêtons sur un cas d'hépatite qui nous a été signalé à bord. Auriez-vous un moment à nous accorder? Je suis l'inspecteur Treadway, voici l'inspecteur Archer. Voulez-vous passer dans la salle à manger pendant que nous visiterons votre cabine? Entendu. Oh, Peter, n'oubliez pas de passer l'aspirateur. Je veux des échantillons de poussière des deux chambres, d'accord? D'accord. Allez-y. Bien. Est-ce que je peux voir votre passeport, mademoiselle Roland? Vous êtes citoyenne des USA? Oui. Et c'est madame Roland. Mon mari était un pilote américain dont l'avion s'est écrasé au Nord-Vietnam il y a 10 ans. On n'a toujours pas retrouvé sa trace. Désolé. L'Italie, la Sardaigne, la Grèce, les Bahamas, Monaco, les Bermudes. Vous voyagez beaucoup. Pour les affaires ou le plaisir, madame Roland? À Londres, j'étais mannequin. À Monaco, j'étais gouvernante et professeure de français et de musique. Aux Bermudes, j'étais encore mannequin. Et en Grèce, j'essayais de faire de la photo. Alors, qu'est-ce que je peux vous apprendre en ce qui concerne cette quarantaine? Eh bien, voyez-vous, l'hépatite à spirochète peut se transmettre par la nourriture. Je voulais savoir quel genre de nourriture vous aviez fait porter à votre cabine. Aucune. On ne vous a jamais apporté de plateau repas? Jamais. Eh bien, je ne sais comment vous dire ça, mais il se trouve qu'un autre passager nous a affirmé le contraire. Madame Brill a fait erreur. C'est une femme par ailleurs tout à fait charmante, hein, mais elle ne peut pas oublier qu'elle a été gérante d'immeubles de rapport toute sa vie à Saint-Louis. Chicago. Chicago. Je crois que ce sera tout, madame Roland. Encore un détail. Est-ce que le capitaine vous a dit quelque chose à propos d'un matelot malade? J'en ai entendu parler, mais pas par le capitaine. Mais vous étiez en bon terme, pourtant. Le capitaine Chiu venait vous parler de temps en temps. Je ne suis pas sur ce bateau pour me faire des amis, inspecteur. J'ai reçu aucune visite. Madame Roland, je vous cherchais. Je me demandais si le jeune matelot chinois qui est décédé donnait l'impression de se sentir mal. Tout ce que je sais, c'est qu'il travaillait dans la salle des machines et je ne suis jamais allée dans la salle des machines. Non, bien sûr, c'est évident, mais il y a là un détail surprenant. Voyez-vous, il figurait sur la liste du personnel en tant que garçon de cabine jusqu'au moment de l'accident. Le second a signalé à mes hommes qu'il a été transféré en salle des machines la nuit même où il a été blessé. Et jusque-là, la cabine 2 faisait partie de son secteur. Je regrette, je m'en souviens pas. Quand croyez-vous qu'elle prendra fin, cette quarantaine? Mais bientôt, je pense, madame Roland. Excusez-moi une minute, je vais voir ce qu'ils font dans votre cabine. Merci. Attendons sur le pont. Maintenant que l'interrogatoire est terminé, puis-je encore vous poser une question? Sur ma santé? Garantie dépourvue de jaunisse. Votre passeport indique que vous êtes né à Saint-Vallier, en France. Mon père était diplomate. Saint-Vallier est une petite ville de Provence. Sur la route Napoléon. Vous connaissez? Non, pas très bien. Je connais Castellane à quelques kilomètres de là. Oh, j'adore Castellane. Vous y étiez quand? Oh, j'y suis allée souvent. Mon père nous y conduisait de temps en temps, comme nous étions heureux. Et vous êtes allée quand? Ça fait environ 5 ans. Nous étions à Cannes avec ma femme et on a loué une voiture, on est allé jusqu'en Suisse. Elle est ici avec vous? Elle est décédée.
Vous avez suivi la route Napoléon depuis Cannes, je suppose. Nous avons dû passer devant chez vous. Oui. Écoutez, quand cette quarantaine sera finie, peut-être qu'on pourrait dîner ensemble et parler de tout ça. Non. Non, je regrette. Merci quand même. Le gars du labo visite quelques autres cabines. Ça fait plus officiel. C'était comment après mon départ? Pas mal. Pendant une minute et demie à peu près. Je suppose qu'on peut lever la quarantaine. En effet, elle n'a plus raison d'être. Je cherche un certain monsieur David. Là-haut. C'est moi, là-haut, madame Roland. Je suis votre contact. Ah, je... Je vous présente nos excuses pour les circonstances bizarres qui vous ont amené ici, mais tout cela était tout à fait inattendu. Nous avons été contraints d'improviser. Oui, je me demandais si vous aviez entendu quoi que ce soit à propos de... Madame Roland, notre accord est d'ordre privé, vous me suivez? Oui. Je vous suggère donc de ne pas en parler de façon directe. Mais d'utiliser le terme de livraison, d'accord? Livraison, oui, d'accord. Très bien. La livraison se présente très bien, madame Roland. Et j'attends de bonnes nouvelles pour vous avant 24 heures. Oh, merci. Je vous en prie. Le capitaine Chu m'a fait dire que les inspecteurs Treadway et Archer étaient montés à bord. De quoi ont-ils bien pu parler? L'un des passagers a vu quelqu'un apporter de la nourriture jusqu'à ma cabine. Et vous, qu'avez-vous dit? Ben, rien du tout, je niais. Ils vous ont cru? Oui. L'un d'eux m'a invité à dîner. À dîner? Ça, je suppose que c'était l'inspecteur Archer. Reconnaissez-vous cet homme? Non. Et celui-là? Non. Ces photos viennent tout droit des dossiers de l'Organisation mondiale de la santé. On les a apportées il y a à peine une heure. La première photo que vous avez vue est celle du véritable inspecteur Archer. Et la seconde, bien sûr, est celle de l'inspecteur Treadway. Est-ce que vous voulez dire que ces hommes étaient de faux officiers de santé? Ne vous inquiétez pas pour cela, madame Roland. Mais leur inspection n'avait donc rien à voir avec la jaunisse? Il n'y a jamais eu de jaunisse, madame Roland. Ce matelot était aussi sain que vous, jusqu'à ce que le capitaine Chu le fasse brûler. Alors celui qui s'est fait passer pour l'inspecteur Archer vous a invité à dîner. Vous devez accepter l'invitation. Mais je ne sais pas s'il me le redemandera. Je crois que si. Il n'a pas le choix, d'ailleurs.
Monsieur Lao, ça m'ennuie beaucoup. J'ai déjà fait ce qui avait été convenu. Vous irez tranquillement dîner ensemble. Vous parlerez de ce qu'il vous plaira en dehors du bateau, bien entendu. Lorsque vous aurez fini de dîner, vous trouverez un téléphone. Et vous appellerez le numéro que je vous aurai donné. Mais qu'est-ce que vous allez lui faire? Ça ne vous regarde en aucune façon, n'est-ce pas, madame? D'accord. C'est tout ce que le labo a trouvé? D'accord, Peter, merci. Dis donc, c'est la cabine la plus propre qu'on ait jamais vue sur un navire. D'après le rapport du labo, non seulement Keller n'a jamais été dans cette cabine, mais Madame Roland non plus. Ça veut dire que la cabine a été nettoyée aussitôt que Keller a quitté le bateau. C'est aussi probant que si on avait trouvé ses empreintes. Tout à fait. Il n'y a plus qu'un seul moyen d'y voir clair, maintenant. Anne Roland, j'ai une équipe qui enquête sur cette boutique de serpents où elle est allée hier. Boutique de serpents? Oh, les vieux Chinois très riches en sont dingues, tu sais. Les vendre vivants est illégal, mais je ne veux pas lui fermer sa boutique pour l'instant. J'aime mieux le coincer pour quelque chose de plus grave. Alors tu vas l'inviter à dîner, Madame Roland? Parce que si toi, ça ne te dit rien, je serais ravi de... Oh non, 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 je peux sacrifier une soirée. Seulement, je ne sais pas si elle acceptera. Bon, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Elle est descendue au Royal. Ah oui? Oui, ben c'est ce que le fleuriste a dit. Ah. Vous aviez quel âge quand on vous a pris cette photo? 10 ans. 10 ans? Vous paraissez plus jeune. C'est peut-être parce que vous souriez. Je souriais souvent, vous savez, quand j'avais 10 ans. Vous avez reconnu le bâtiment en pierre derrière nous sur la photo? Bien sûr, c'est l'église de Castellane. Je la reconnaîtrai entre mille. Je garde cette photo parce que c'est la seule que je possède de mon père. Il est toujours à Saint-Vallier? Non. Mais vous n'avez pas de photo de vous qui soit plus récente? Des photos de passeport. C'est tout ce que j'ai pris comme photo ces derniers temps. Voilà, nous y sommes. Un bateau-restaurant? Eh oui, il arrive tout droit de Hong Kong. Vous savez, ces petits biscuits qui vous prédisent l'avenir et qu'on trouve dans tous les restaurants chinois? Oui, alors? On ne nous en a pas donné? On leur demande d'en apporter? Ah non, je ne veux pas de biscuits surprise. Je suis un tantinet déçu, car je m'attendais toujours à en avoir. Enfin, je veux dire, dans tous les restaurants chinois d'Amérique, on donne des biscuits surprise. À Boston, Dallas, même dans l'Indiana, on en donne. Et ici? Ici, à Honolulu, pas de biscuits surprise. Enfin, c'est dingue, on vous en met plein la vue avec des canards laqués, 57 variétés de nouilles, et pas de biscuits surprise. Alors que c'est le principal dans la cuisine chinoise. Ah oui? Je suis content. Vous avez souri. Il est tard, inspecteur. Ah non, non, pas à Tokyo. À Tokyo, il est exactement 7h35 du matin. On n'est pas à Tokyo. Non. Pourquoi n'êtes-vous pas à Tokyo, Anne? Pourquoi êtes-vous à Honolulu? Pourquoi pas à Puerto Vallarta ou Majorque? Anne, qu'est-ce qui vous fait courir? Pas la beauté d'un paysage. Pas Puerto Vallarta ou Portofino ou la Sardaigne. Alors, quoi? Une personne? Une personne, oui, une personne. Peut-être un espoir. J'avais beaucoup d'espoir avant de recevoir un télégramme du ministère de la Défense. Et alors, vous avez commencé à courir? Oui. Les 5 dernières années, j'ai pas eu beaucoup de joie, mais je n'ai pas non plus eu de gros chagrins.
J'ai une idée géniale. Il y a un nouveau club qui paraît-il est formidable, chez Otto. Si on allait prendre un dernier verre là-bas. Si vous n'êtes pas trop fatigué, bien sûr. Je dois d'abord passer un coup de fil. Pas de problème. Bateau-taxi, bateau-taxi. Vous connaissez le club auto? Moi, je connais le club auto. Bonne musique, montez. Pita, nouvel an chinois. Allez. Vous êtes sûr que c'est le chemin de chez Otto? C'est long chemin. Vous longtemps tous les deux. Les taxis sont tous les mêmes où qu'on soit, sur terre ou sur mer.
Laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Désirez-vous une boisson fraîche? Il faudrait peut-être qu'on arrête de se voir dans des ruelles obscures. Comment est-ce que vous avez fait pour nous trouver? Je me doutais que ce petit dîner intime pouvait être un piège. En fait, on ne vous a pas quitté d'une semelle. C'est du bon boulot, Kim. Félicitations. Merci, commissaire. Bon à nous, Madame Roland. Vous avez téléphoné du restaurant. Dites-moi à qui. Écoute, Pat, peut-être qu'on pourrait... Kirk, qui était-ce? David, là-haut. Peut-être qu'il serait temps de le ramasser, celui-là. Non, pas encore. Mais on va le surveiller d'un peu plus près. Kim, je veux les noms de tous ceux qui fréquentent cette boutique de serpents et tous ceux qui lui téléphonent. Et bien entendu, qu'ils ne quittent pas l'île. Très bien. Ils ne vont pas le relâcher maintenant. J'en suis sûre. Il restera dans cette horrible prison. Ah non, on est en train d'essayer de vous dire... On m'a dit ce que je devais faire et ils ont été très clairs quant à ce qui arriverait si je n'obéissais pas. Vous avez seulement voulu sauver une vie, vous... Ils le renverront en prison. Je l'ai renvoyé en prison. Vous ne pouviez rien faire pour le sauver, croyez-moi. Vous n'y pouviez rien. Madame Roland, vous dites que les gens qui vous ont contacté vous ont dit que votre mari était toujours prisonnier au Nord-Vietnam. Vous dites qu'ils prétendent pouvoir l'amener ici à Honolulu. Eh bien, ils mentent. Le télégramme du ministère de la Défense était vrai. Nous avons vérifié encore, il n'y a aucune chance qu'on ait fait erreur. Et ça, alors? Enfin, c'est son écriture, ça. Il m'appelle Poussin, il n'y a que lui qui sache cela. Et, cher Poussin, tu sais que je suis encore en vie. Oui, il n'y a aucun doute, cette lettre est authentique, mais il peut l'avoir écrite il y a longtemps sans l'avoir expédiée. Nous savons que le lieutenant Roland a survécu quelque temps, mais une semaine, pas plus. Anne, je suis désolé. Comment avez-vous eu cette lettre? Eh bien, à Vancouver,
Un homme m'a téléphoné, il m'a dit que Tim était encore en vie. Et que je trouverais une lettre à la réception de l'hôtel. Une heure plus tard, le même homme m'a rappelé et il m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui tenait beaucoup à venir à Honolulu et que si j'acceptais de coopérer, Tim serait libéré dès que l'autre arriverait à destination. Et bien sûr, j'ai dit oui. Quand je suis arrivée à ma cabine, le capitaine Chou m'a dit qu'un homme allait venir et qu'il monterait à bord plus tard et qu'il allait utiliser la chambre à coucher et que moi, je devrais rester dans le salon. Une fois à Honolulu, nous devions nous faire passer pour mari et femme. Mais le plan a été modifié. Que s'est-il passé? Il s'est passé que la veille de notre arrivée à Honolulu, le capitaine est arrivé dans tous ses états. Il a dit qu'à Honolulu, les autorités avaient déjà été prévenues de la présence de l'homme sur le bateau et que la police l'attendait. Cet homme, vous l'avez vu? Une fois, oui. Ça faisait 2 jours qu'on avait quitté Los Angeles et je me suis réveillée et il était là, juste au-dessus de moi, et il m'a examinée pendant un long moment avant de regagner sa chambre. C'est cet homme-là? Oui. Trouvez-moi Peter, s'il vous plaît, et dites-lui de mettre le capitaine Chou en garde à vue immédiatement. Nous avons des raisons de penser que l'homme qui partageait votre cabine est un tueur à gages. Avez-vous appris quoi que ce soit qui pourrait nous aider à retrouver sa trace? J'ai entendu si peu de choses. Le capitaine est arrivé le soir avec du vin, il a laissé la porte ouverte car il allait ressortir aussitôt. Mais je l'ai entendu dire, c'est toujours agréable de travailler avec les 100 noms. Les 100 noms? Ça te dit quelque chose, Pat? Je crois que ça se rapporte à la 100aine de noms des familles de Chine. C'est politique? Oui, politique, sociale, économique, tout ce que tu voudras. Ils feraient n'importe quoi du moment que ça bouge. Et tu crois possible que Keller travaille pour eux? Tout à fait. Y a-t-il autre chose? Non, rien, rien qui paraisse avoir un sens. Au point où on en est, on se contenterait de peu. Eh bien, 10-2. C'est tout. Le capitaine a dit ça à quelqu'un un soir. Il a dit que ça venait d'arriver par radio. 10-2. Je n'ai rien entendu d'autre. Ça peut être une heure. 10h02, entre 10 et 2 heures. Une date. Le 2 octobre, alors. Oh, c'est dans 8 mois, c'est pas ça. C'est peut-être un endroit. Une adresse. Oui. Vous devez être fatigué, Madame Roland. Kim! Kim, appelle chez moi et dis-leur de préparer la chambre d'amis pour une jeune femme. Et désigne 2 hommes, ou plutôt 4 hommes pour protéger Madame Roland. Choisis-les bien, hein? Pas des guignols. Très bien, commissaire. Je vais régler encore 2 ou 3 choses ici pendant que tu l'accompagnes et tu pourras placer les gardes. D'accord. Non, non, ne craignez rien. Vous serez en sécurité chez moi. Désolé d'avoir détruit vos illusions hier soir. Mes illusions? Sur la survie de votre mari. Je suis désolé. Est-ce que vous croyez que je risque des poursuites? Non, vous serez bientôt libre. Libre? Où irez-vous, Anne? J'y ai pas encore pensé. Vous irez encore courir le monde? C'est une vie qui a ses bons côtés. Oui, par moments. Ne minimisez pas l'importance des moments. La vie tout entière est faite de moments. La vie ou alors une mort lente? Anne, quand vous aurez fait votre déposition sur David là-haut, nous n'aurons plus besoin de vous et vous irez où bon vous semble. Mais j'aurais aimé que vous restiez au moins tant que je serai ici. Pat, qu'est-ce qui se passe? C'est un moment que je n'avais pas vu des comme ça. Comme quoi? Dis ça. Tu me prends des ondes rituelles pour sauver la face.
Chu a fait un petit faux pas au cours de sa mission et il vient d'en payer les conséquences. Je n'y crois pas un instant. Un grand nombre de ses ancêtres ont ainsi fait ce choix, des familles entières parfois. Tu crois que c'est quelle heure? Si quelle heure est à Honolulu, c'est bien quelle heure. Madame! Madame! Téléphone! Ah, merci. Allô? Allô, Poussin? Tu vas bien, j'espère. Mon Poussin. Moi, ça va pas trop mal. Bon, vous aurez tout le temps, lieutenant. Madame Roland, David là-haut à l'appareil, vous avez entendu? Madame Roland? Oui? Oui, j'ai entendu. Votre mari est ici, à Honolulu. Il est encore très affaibli. Madame Roland, il ne faut pas que vous soyez surprise quand vous le verrez. Il a énormément souffert. Vous voyez, Madame Roland, nous avons tenu parole. Mais ils m'ont dit que... Ils m'ont dit... C'est normal, Madame Roland. La police et Monsieur Anyan vous ont dit qu'il était mort. C'est vraiment très chinois de leur part. Est-ce que ça avance, Kirk? Non, c'est l'impasse, Frank. Tu sais, avec un type comme Keller, je me doutais bien que ça serait pas facile. On est là tous les deux à attendre comme des idiots. C'est pour ça que je t'appelle. Tu as essayé de mettre 10-2 sur l'ordinateur, je suppose? Oui, j'ai eu 64 réponses, et pas une qui colle. Bon, je continue à fouiller de mon côté, Kirk. Compte sur moi. Je te tiens au courant. D'accord. Merci, Frank. Là-bas, ils n'ont rien non plus. Tu as trouvé quelque chose? Pas vraiment. J'ai été très occupé par cette conférence sur le commerce international à Los Angeles. Le représentant de la Chine fait escale ici en passant. Il faut assurer sa sécurité pour lui aussi dérouler le tapis rouge. Sans vouloir t'offenser. Et dis-moi, qui est-ce? Song Tsao, c'est le génie en économie en Chine. Il les a déjà sortis de quelques mauvais passes. Les sans-noms ne l'aiment pas beaucoup. Et s'il était mêlé à notre histoire, ça se pourrait? Figure-toi que j'y ai pensé, mais il descend pas de l'avion et l'aéroport est sûr. On va mettre bout à bout tout ce qu'on a trouvé. Il y a des indices. On peut déjà être sûr que cette affaire concerne l'Extrême-Orient, très probablement la Chine. Le bateau est immatriculé à Hong Kong. Le capitaine Chu est chinois. David Lao est chinois. Les sans noms sont chinois. Et Harry Keller est au milieu de tout ça. Ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, ce qu'on ignore, où est Harry Keller? Je vais te dire où est Keller, Pat. Il se balade libre comme l'air avec ses 500 000 dollars d'acompte sur exécution. La question, c'est qui, où et quand? Et que diable signifie 10-2? Tu sais ce que je crois? Non. Je crois que ce qu'on ne sait pas l'emporte de loin sur ce qu'on sait. Allô? Oui, je reste en ligne. Oui, monsieur, il est ici, ne quittez pas. Monsieur Ohanian? C'est pour vous, de Los Angeles. Merci. Ohanian, j'écoute. Oui, passez-le-moi. Sarah. Oui? Oui, je le sais bien que ça coûte cher de téléphoner à Honolulu. Mais pour une bonne nouvelle, ça vaut le coup. Quelle bonne nouvelle? Des touristes qui veulent aller au Mexique pour un mois. Et ils n'ont pas d'été d'abruti, je te jure. Des touristes? Mais ah, de mon cœur, on pourrait parler de ça quand je reviendrai. Je veux qu'on en parle tout de suite, cœur! Je l'entendrai même sans téléphone. Je veux une réponse maintenant. Envoyons-moi. Il y a un mois à partir de quel jour? Et le 9-3. Et donc jusqu'au... Ah, on est en février, tu me parles d'un voyage qui aura lieu en septembre. Qui t'a parlé de septembre? Mais toi, le 9-3, c'est le 3 septembre, non? Pour l'amour du Dieu, le 9-3, c'est le mois prochain, le 9 mars. Ah, je te l'ai dit 50 fois, pas en Amérique. Et alors le monde entier a tort, à part l'Amérique, et on est là à gaspiller tout ce bon argent en parlant des choses inutiles. Dans tous les pays civilisés, le 9-3, c'est le 9 mars. Bon, d'accord, d'accord, Arati, oui. Mais oui, bien sûr. Ça y est, je comprends maintenant. Ah oui, quoi? Dans tous les pays, à part en Amérique, on met le jour d'abord et le mois après. 10-2, ça veut dire février, bien entendu. Et c'est après-demain. Très juste. C'est le jour de la conférence internationale à Los Angeles. Oui. C'est pour ça que Keller n'a pas encore bougé. Song Tsao, c'est lui sa prochaine victime. Bien, on va chez là-haut. On va emmener Anne. Oui, on la prendra au passage.
chercher Madame Roland, elle vient avec nous. Vous ne l'avez pas vue? Comment ça? Elle a reçu un coup de fil et elle a dit que c'était vous. Que vous aviez envoyé une voiture pour elle. Ça fait longtemps qu'elle est partie? À peu près 10 minutes. Vous avez le numéro? Oui, monsieur, l'unité mobile numéro 36. On passe un appel, je veux qu'on arrête cette voiture. De la prison depuis déjà presque une semaine. J'ai l'impression que ça fait bien plus longtemps que mon avion s'est écrasé. Si tu savais comme tu me manques, Poussin. Bonjour, Poussin. J'espère que tu vas bien. Poussin. Ouais, ça va pas trop mal. On m'a mis dans l'hôpital de la prison depuis déjà presque une semaine. J'ai l'impression que ça fait bien plus longtemps que mon avion s'est écrasé. Et tu savais comme tu me manques. Vous n'auriez pas dû prévenir Ranian. Bonjour, chère Poussin. Madame. J'espère que tu vas bien, Poussin. Moi, ça va pas trop mal. La mort ne nous servira à rien. Jeff, on a mis des hommes derrière l'immeuble et aussi sur le toit. Monsieur là-haut ne pourra pas sortir. Sortir? Pourquoi devrais-je vouloir sortir? Monsieur là-haut, voici Kirk O'Hanian. Vous êtes policier, vous aussi, monsieur O'Hanian? Pas tout à fait, non. Nous voudrions vous poser quelques questions. Ici? Dans ma propre boutique? Sur mon territoire, en quelque sorte? Très sportif. Qu'avez-vous à voir avec Madame Anne Roland? Je suis commerçant, commissaire. Elle s'est présentée et m'a demandé de lui faire envoyer quelques douceurs à son hôtel. Rien de plus. Et Harry Keller? Ce nom m'est inconnu. Capitaine Chou? Je regrette. Et je suppose que vous ne connaissez pas non plus le Cotabarou. En effet. Je vois. Merci, monsieur Lao. À bientôt, commissaire. À
Monsieur là-haut. Anne Roland nous a dit que vous lui aviez promis de faire libérer son mari, le lieutenant Roland, qui était au Vietnam. Madame Roland a menti. Et pourquoi aurait-elle menti? Oh, c'est souvent difficile de comprendre les gens, commissaire. Dommage qu'on ne puisse pas le lui demander. Oui, c'est très triste. Comment savez-vous qu'elle est morte? Nous venons de l'apprendre. Harry Keller devait être pressé de partir après l'avoir tué. Il a oublié d'emporter le magnétophone. On a trouvé ses empreintes sur la bande. Vous allez venir avec nous au poste, on va vérifier ça. C'était une sale blague d'utiliser la voix de son mari sur une bande vieille de 10 ans qu'elle n'a jamais reçue. C'est absurde. Eh bien, venez avec nous. Chao, pa, mun anten pat, 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 chao, pat, cha. Tu as compris ce qu'il a dit? En gros, ça voulait dire vive les sans nom et notre chef Pan Chao. Au moins, on sait qui est derrière tout ça. Oui. Commissaire. Son Tsao a changé d'avis. Il descendra de l'avion pour une conférence de presse. Keller va sans doute changer d'avis lui aussi. Allons-y. Le camarade Song me demande de vous remercier pour vos inquiétudes concernant sa sécurité. Il a une femme et des enfants en Chine qui seraient très malheureux s'il ne revenait pas. Dites à M. Song que nous sommes convaincus que sa vie est en danger et qu'il faut faire quelque chose. Nous avons la preuve qu'un assassin professionnel a été engagé pour le tuer. Le camarade Song a transmis vos propos concernant les sans-nom et Pan Chao à la Chine. Ce qui doit être fait sera fait. Mais il refuse d'annuler sa participation à la conférence. Non, il ne veut pas annuler. Voyez-vous, le camarade Song pense que tous ceux qui servent la révolution sont constamment en danger. Il refuse de se laisser intimider par des menaces. Richard Albert Dorn, avec un D, passeport canadien, numéro 93-36-184, ça correspond? Ça correspond. La photo de Dorn a été trouvée chez un agent chinois du nom de David Lao. Les services d'immigration canadiens disent que Dorn est mort il y a 2 mois. Nous avons des raisons de penser que son passeport est utilisé par un tueur à gages qui doit être sur le point d'arriver incessamment en Californie. Terminé. Veuillez patienter un moment. Il y a quelque chose? Je le saurai dans une minute. Monsieur Wanyan, un certain Richard Albert Dorn, passeport canadien 93-36-484, a passé la douane il y a 3 heures à l'aéroport de Los Angeles. Monsieur Wanyan? Tiens, mais c'est Tad et Johnny. Pas ça alors. Vous faites toujours équipe? Ouais, tu viens donner des cours. Et comment?
Quoi de neuf? Je crois qu'on le tient, Kirk. Je m'en suis occupé dès que j'ai reçu ton coup de fil d'Honolulu. On a bouclé les tours de 5h jusqu'à 10h du matin. Nos hommes ont évacué toute l'équipe de maintenance. On les a examinés un par un. Un électricien manque à l'appel. Un certain Leonard Keeley est arrivé hier soir à 11h50, mais n'est pas parti quand on a évacué. Harry, quelle heure? Je suis certain qu'il se planque dans les tours. Y aurait-il moyen de retarder la conférence? Aucun. Sung dit que c'est mon problème. Tu parles. Kirk, voici Nancy Rigg. Nancy, voici Kirk O'Hanion. Alors, où en sommes-nous? Une équipe de nettoyage travaille juste derrière l'équipe en cuirasse au 14e étage. Ils sont encore en travaux là-haut. J'y vais. Hey, c'est Wharton. La cage de l'ascenseur? J'envoie quelqu'un voir ce qu'il y a. J'y vais, Frank. Ah, une seconde, calme-toi, Kirk. Tu rigoles ou quoi? Frank, Harry Keller m'appartient. Harry Keller ne s'échappera pas. Il est coincé quelque part ici et on a toute une équipe de spécialistes qui sont prêts à le mettre en pièces s'il essaye de faire le mariole. Mais à partir de maintenant, c'est l'affaire de la police. L'affaire de la police? La semaine dernière, la police croyait que Keller était mort. Tu te rappelles? Eh, c'est vrai, on a eu tort. Mais il est à nous maintenant. Écoute, Frank, j'ai traqué un mort sur des milliers de kilomètres et tant qu'il est en vie et qu'il est près d'ici, il est à moi. Fais attention. Et les portes coupent feu? Elles ont été vérifiées, elles sont toutes scellées. L'assassin s'est sauvé au Hanyan. Trois équipes en cuirasse travaillent dans ce bâtiment et on n'a rien trouvé, sauf ses vêtements. Vous les avez trouvés? Non, pas moi, c'est Reston qui les a trouvés, on l'a envoyé chez vous. Vous n'avez pas vu? Non. Amenez les gars, dépêchez-vous! Qu'on a trouvé les vêtements de quelle heure? Le labo est en train de les examiner. Une paire de bleus de travail, une ceinture avec des outils, quelques pièces de matériel électrique et une carte d'identité au nom de Leonard Keeley. Où ont-ils trouvé tout ça? Au lavabo? À quel étage? Possible? Et qu'est-ce qu'il a sur le dos maintenant? Il n'y a que des flics dans la maison. Je viens de penser à quelque chose, Frank. L'équipe en cuirasse vient de passer. Il y avait 4 hommes. Mais quand j'étais là-haut, j'en ai compté 5. Ah! 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 Ah!
Ça y est, la conférence a commencé. Oui, et sans Keller, Dieu merci. Détends-toi, cœur, qu'on a retrouvé le corps cette fois-ci. Je sais, oui, mais il y a quelque chose qui cloche et je ne sais pas ce que c'est. Mais non, c'est fini maintenant. Si on l'avait pas pris, il aurait terminé son boulot et repris l'avion pour New York. Tiens, son billet. Vol 33, départ à 10h20. 10h20 ? Il faut combien de temps pour aller d'ici à l'aéroport ? 30 ou 40 minutes. Bon, donnons-lui 40 minutes pour aller à l'aéroport. 15 autres minutes d'attente au guichet, ça fait 55 minutes. On va soustraire ça de l'heure marquée sur le billet. 10h20. Ça fait 9h25. 9h25. Est-ce que tu as compris? Quelle heure avait fini? Fini? Son boulot. Il se préparait à partir, bien sûr. Tout ce qu'il avait à faire était déjà prêt. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a préparé? Et où ça? Je n'en sais rien. Mais ça doit être quelque part dans la maison. Cette ceinture à outils que Keller avait, qu'est-ce que vous y avez trouvé? Des ciseaux à fil de fer, un testeur de courant, un tournevis, un couteau pliant, une bobine de fil électrique et une boîte de pâte à bois. De la pâte à bois? C'est du plastique, du plastique. Commissaire. Nancy. Qu'est-ce que c'est que cet appareil? C'est pour la traduction? Oui. Il y a une touche pour l'avoir en gros plan. Il y a 6 choix de position sur l'appareil. Le 1 donne l'orateur en version originale, le 2 la traduction anglaise, le 3 la française, le 4 la hollandaise, le 5 l'espagnol et le 6 la traduction chinoise. Messieurs, la conférence va commencer. C'est quelque part par ici, dans cette pièce. Une équipe a passé cette salle au peigne fin, Kirk. Les micros, toutes les prises, tout jusqu'aux chaises. C'est là, Frank, j'en suis sûr. Il faut très peu de ce plastique pour tuer un homme. Sur le 4. C'est dans son casque. Quand il mettra le 6, ça explosera. Le commerce, c'est la vie des nations. La prospérité d'un pays est impossible sans... Verity et Bro, we're all linked. Nous sommes tous les anneaux d'une grande chaîne. Deze vergadering is om stap 1 zijn. Al encontrarnos aquí es tomar pasos.
Quand la salle de conférence sera nettoyée, la réunion pourra reprendre. Je voudrais vous lire une déclaration que les membres du Conseil du commerce ont unanimement signée. Une déclaration qui déplore les actes de violence inconsidérés. L'entente et l'harmonie que nous souhaitons tous, et dont cette conférence voudrait donner l'exemple, ne pourront exister dans une atmosphère de violence. Vous vous appelez Oanyan, n'est-ce pas? C'est un nom irlandais. Arménien. Vous parlez très bien notre langue? Lorsque c'est diplomatique. Avez-vous des enfants, monsieur Oanyan? Non. J'en ai trois. Un fils, une petite fille très mignonne et un tout petit garçon. Je crois qu'ils seront très heureux de revoir leur père, monsieur Oanyan. Par ici. Ara. C'est ça. Toi, Steve, tu vas tenir la barre et tu vas suivre le canal. Quand nous serons au large, Doug, ce sera ton tour. Très bien. Je crois qu'on va avoir une belle journée. Mais il faut toujours être prêt à affronter le mauvais temps, parce que quand il arrive, on passe de très mauvais moments. Vous serez au large et vous aurez peur tout seul. Mais si vous êtes de bons marins, et si vous avez un bon bateau sous les pieds, vous n'aurez rien à craindre du mauvais temps. Et vous rentrerez au port. Ce sont de bons marins. Ils s'en sortiront. Je sais. Sors du canal, Kirk. Très bien, Doug, c'est à toi maintenant. Et Chegreser, si. Quoi? Il a dit, quel beau visage. C'est vrai, tu sais.